Et voilà, c'est Vinali, on se retrouve pour une petite balade dominicale dans le Hainaut en Belgique. Donc c'est l'endroit où les motards aiment bien se retrouver le dimanche ou en semaine, ou tous les jours. À l'endroit, il y a quand même pas mal de petits virages et quand il fait beau, un max de circulation. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous présenter qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des beaux endroits pour rouler. Chez nous aussi, la Mont Blanche. Chez nous aussi, il y a quand même des bons endroits pour les motards. Et comme partout, quand il fait beau, il y a pépère qui sort les mers. Bon, voilà. Pendant la route, c'est pas un circuit. Mais j'avoue que quand c'est limité à 90 km/h, se retrouver à 70, on se traîne la bite quand même. On se traîne la bite. Mais bon. Bon, je vais présenter des petits endroits sympas. On va à toi, avec ta full black. Des endroits bien sympas pour rouler. Des endroits que même peut-être les motards ne connaissent pas. Parce que les motards aiment bien les grandes courbes, bien les rapides. Si tout le monde va tout droit, moi je vais à gauche. Oui, bien sûr. Voilà. Donc les motards, ils vont par là, et moi je vais par là. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici il y a ça. Voilà. Et ça, c'est peut-être pour son là. Mais plus que pour les gens qui veulent passer leur permis de conduire et travailler leur trajectoire. Ah ben cette portion-ci elle est vraiment top. C'est roulant, t'as pas trop de circulation. Et quand t'as vraiment une bonne visibilité, tu peux quand même, voilà, même si c'est limité à 90 ou 90 pour nos amis français, mais tu sais rouler sans te mettre en danger. Donc tu n'as pas des virages pour le gravier évidemment, donc tu n'as pas des virages aveugles. Ça c'est vraiment c'est bien, c'est bien. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Évidemment, t'as un monsieur là qui avance en grande ligne droite. On va lui faire ça parce que après dans les virages il va m'emmerder. On va rien à ça, donc voilà. T'as la bonne visibilité. C'est bien dégagé, donc tu peux quand même bien rouler, bien t'amuser et en étant en sécurité. Évidemment, quand tu prends tes courbes, la valeur qui meurt aussi, t'es vite surtout ici. On verra où les gens en GS. Et comme il y a une piste cyclable sur la droite, eh bien, tout le monde d'avoir des cyclistes sur la route. Encore un double tronçon où tu peux vraiment rouler en sécurité. Alors attention, en pleine saison, t'as plein de gens qui traversent n'importe nawak et qui font des barbecues. Regarde-moi ça, à gauche et à droite, dans tous les sens. Et là, pas dépassé parce que le mec il a fait demi-tour en période du jeu de qui. Voilà, c'est l'endroit par contre où les familles se retrouvent. Pour le grand barbecue le long de la flotte. Ah, c'est vrai que c'est sympa, faut dire ce qui est. Faut reconnaître ce qui est, c'est quand même un endroit sympa. Tu fais que cuire tes merguez avec la famille. Mais personnellement, je suis plus le type de chipolata. Voilà, donc sinon, voilà, c'est une petite portion. Que pas beaucoup de motards font et pourtant c'est vraiment sympa. Et quand tu viens ici quand en fin de saison où t'as presque plus de motards qui roulent parce qu'ils commencent à faire frais, ah ben là tu peux venir travailler ton angle. Parce que clairement tu peux y aller franco. Parce que tu as vraiment une bonne visibilité.
Donc ici on arrive sur le rond-point de Serrefontaine, bien connu de presque tout le monde. Bon, vous allez voir un maximum de motards, hein, c'est vraiment pas pour rire. Alors, on ne s'arrête pas à la station aujourd'hui. On fait le tour complet. Alors, voilà. C'est la même chose. On est sur des routes où tu prends tes cours convenablement, où tu es vraiment bien dégagé, tu es bien en sécurité. Ah non, c'est pour rouler à 90 km/h. Bah, moi je suis désolé. Pour la 125. Donc ça ne plaît pas de voir un mec qui dépasse les limitations. Les apps. Et concrètement, quand je me sens en sécurité, et ben ouais. On est un peu plus fort. Écoutez. Déconner trop quand même. Bon, par contre la route elle est pas top hein. J'ai pas de mentir, la route elle est vraiment pas top. Par contre voilà, c'est peut-être pour ça que de ce côté-ci, il n'y a pas des masses de motards. Il y a peut-être une raison à ça. Ah, c'est pour ça. Parce que le tarmac, il n'est pas top. Moi, j'avoue que mon trail, je le sens pas. Alors, et moi, évidemment, c'est le petit tour. Quand je fais ici, il y a le grand tour. Bah, là, j'ai plus de ligne droite et compagnie. T'as vu, l'avantage ici c'est que tu peux rouler, t'es quand même en sécurité parce que tu as vraiment une bonne visibilité. C'est peut-être ici que t'as pas vraiment à dire par route. Et ça peut être sympa pour les gens qui commencent. Bah, évidemment, on n'arrive pas du premier coup ici en fond des ballons. Dans les arbres en fait. Et c'est con que ça fait mal des arbres. Non, non, ça arrive. Ça fait mal des arbres. Alors, hop, ils vont bien les Brembo. Hein. Ah, ça, c'est triomphe pour ça, les freins. Et j'ai mis moi derrière moi, elle est contente, voilà, il y a des virages. Voilà. C'est l'avantage d'avoir une gamine motarde, ça. Yippa ! On verra toi, camarade. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis toujours, rouler avec les potes c'est bien, mais des fois rouler, moi je roule beaucoup avec ma gamine, elle va avoir 15 ans et elle kiffe quand il y a du virage. Voilà. Un chien ne fait pas des chats. Alors évidemment, on respecte un temps soit peu le code de la route. Parce que les cyclistes, les usagers faibles, comme on appelle ça, il y en a un chier, t'as des tracteurs, t'as des marcheurs, et tu as des animaux. Ah ben ouais, parce que tu as pas mal d'animaux qui peuvent traverser. Et là par contre, quand tu touches au pain, ben, en moto, ça pardonne pas.
Elle est gentille, ça. Merci, merci, monsieur. Voilà, il n'y a pas des gens sympathiques. Alors ici, on arrive sur le site hyper touristique, hein, donc c'est tout ce qui est plate taille et compagnie, toujours au barrage de l'odeur. C'est archi bien des mondes. Alors ici, pouf, prudence. Les gosses qui déboulent. Les bagnoles qui coupent les lignes blanches. Alors ici, c'est vraiment prudence à 250%. Quoi. En fait, on se dirait le long de la côte, dans le sud de la France. Et après, tu t'énerves toujours parce que t'as une vieille mamie comme ça, là, qui traîne. Parce qu'avoir une place pour se garer le plus proche possible. Ah bon, c'est le jeu, quoi. Et donc ici attention, hein, parce que là par contre les flashs ici c'est pas ça qui manque. Donc c'est une route, qui est arrivée. Super sympa à faire. Vraiment, parce que là c'est pour vous montrer qu'il y a plein de monde, mais c'est pas le meilleur moment pour le faire. Il y a clairement trop de monde. Trop de motards, trop de bagnoles. Donc clairement, pour moi, c'est pas le meilleur moment. Mais bon, c'est pour ça aussi, c'est un peu la prévention. C'est, voilà, venez voir les barrages de l'odeur. C'est super sympa. Là, c'est dégagé, je peux passer. Mais attention. C'est vraiment le mot attention. Aïe. Le tarmac il offre bien quand même un petit peu. Allez, un petit, passe le côté. Ah, il y en a qui ont pas peur quand même. Ouais. Donc imaginez ce que je vous montre comme ça, mais oh, le monsieur il a un problème de serrure. Oh, le monde qu'il y a, c'est blindé. Et tout l'été c'est comme ça, du... Là on est début juin, jusqu'à la mi-septembre, c'est comme ça tout le temps. Là t'as une plage, voilà. Donc clairement c'est dû taper la côte belge où t'as 200 km à faire, enfin 240 km à faire. Le barrage de l'Odeur, t'es au barrage, hein. Rien de plus près. Bon voilà, tu vois, c'est archi blindé, quoi. Et t'as, hop. Là, niveau visibilité, voilà, avec les gens qui traversent, n'importe où. Tranquille. Alors ça, c'est l'endroit évité, en fait. Voilà. D'accord.
et tous les gants sportifs. Ah, c'est quand même beau, non? Allez. Pas croire, en Belgique aussi, c'est très beau. Très très beau la Belgique. Bon, j'avoue que c'est quand même plus sympa quand il n'y a pas tout autant de bagnoles, mais bon, ça c'est un autre problème. Voilà, quand je vous dis que c'est le paradis des motards, ben c'est pas pour rire. Il n'y a que ça. Par contre, ces motards-là, tu ne les vois pas rouler en hiver. Marrant quand même, hein. Mauvaise langue que je suis. Bon, alors, on va aller par où? Il faut aller au rond-point et on va revenir par ici pour montrer la belle boucle. Direction Boussy-les-Bois-de-Cour. Ça peut être sympa à faire aussi. Et quelques virages bien techniques. Hein, c'est dès le passage. Allez, la voiture. Tout est bon, rien, tout est bon, le bourrin. C'est pas très malin de se mettre comme ça, mais bon. Le petit arrêt à la station du col, ça c'est la tradition. La tradition. Ce qu'il y a. Quoi? T'as un problème? Quoi? T'as un problème? Non. Hein, ça va alors. Hein, c'est dès le passage. Allez, la voiture. Tout est bon, tout est bon, le bourrin. C'est pas très malin de se mettre comme ça, mais bon.
le petit arrêt à la station, l'école. Ça, c'est la tradition. La tradition. Ce qu'il y a? Quoi? T'as un problème? Quoi? T'as un problème? Non. Non, ça va alors.